pouvoir grimper une telle pente avec ce chargement? C'est la descente le plus dur. Regarde ce camion. Il frime parce qu'il est presque à vide. Mais quand ça plongera, s'il freine à contre-temps, si jamais il passe la mauvaise vitesse, il va valser. Et t'auras le temps de piler? Lourd comme on est, c'est lui qu'on pilerait. Et comment tu fais si un truc saute sous tes pneus et que tu dois t'arrêter? Tu roules. Et c'était quoi? Une Mazda. C'est con, jupe pomme, je te jure. Ça me file des gaz. Je te préviens, Wes. Si tu pètes une fois, je te largue. Le gros con, il sait pas conduire. Maintenant, il ralentit. Il y a peut-être un radar. Mazda. Arrête-toi! Je t'entends très mal, connard! Red nous enferme dans une boîte. Il veut nous bloquer avant le sommet. Mais c'est pas gagné. Il pousse au cul comme un malade. Freine à mort. Freine à mort. Rien de tel qu'un caterpillar, ce n'est. Doucement, Cruz, tu vas faire cramer le moteur. Allez, maintenant, admire. Il est mort. Attention! Prépare un coup de boule. Il va se faire mal, je te dis. C'est un art de freiner à temps et de passer ses vitesses. Ouais, ouais.
C'est tout un art. Oh merde! Dis donc, quel spectacle, hein? J'ai failli pisser dans mon froc. On va tous crever. L'un d'entre vous indique à Red le moindre de nos mouvements. Sonny a passé un coup de fil au pesage. J'ai appelé ma mère. Ouais, c'est ça. Tu me cherches? T'as pas eu le temps d'appeler, toi? Si j'avais voulu la cargaison, je vous aurais tué dès les premières secondes. Où est passé Wes?